अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, viens là, viens manger, Chika. Non, maman, je n'ai pas faim. S'il te plaît, prends ton repas et mange-le pour moi, s'il te plaît. Je ne laisserai plus ces deux-là être ensemble. Parce que ce soir sera le dernier soir de Ishika ici. Tu ne seras jamais seule, Ishika. Quoi qu'il puisse arriver, je t'apporterai toujours mon soutien. Chigna est aussi avec Roop. Alors comme ça, elle m'a aussi trahi. Je ne me repentirai pas. À présent, je dois dire à Shamsher que notre premier plan a fonctionné comme prévu. Ishika est vraiment furieuse de voir que Jigna, en compagnie de Rupendra, ne voudra plus parler à personne. Ishika ? Ishika, ouvre la porte, s'il te plaît. Ishika ? Le téléphone d'Ishika est éteint. Je suis sûr qu'elle n'a pas entendu mon message sur la radio. Elle ne se serait pas comportée ainsi. Il faut à tout prix que je lui parle alors. Rupendra. La nourriture est vraiment délicieuse. Aujourd'hui, belle-sœur Kamla a ajouté quelques épices spéciales. Parce que ses deux filles sont ici. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Elle n'aime plus que ses enfants. Je suppose qu'elle n'a plus d'amour pour moi. Maman, tu devrais préparer des repas délicieux pour papa. Papa est un policier, sinon il va porter plainte contre toi et te mettra en prison. Elle a bien raison, tu vois. Oui, c'est vrai. Eh bien, dans ce cas, tout le monde aurait de la bonne nourriture. Oui. Je n'ai pas vu Kinjal à la maison. Où est-ce qu'elle est? Tu connais, ma cousine éloignée, Sulata, elle est tombée vraiment très malade. Alors j'ai envoyé Kinjal là-bas, pour pouvoir prendre soin d'elle, hein? Maman? Où est Ishika? Elle arrive. Viens là, viens manger toi aussi. Non, maman, je n'ai pas faim. Je vais préparer une assiette pour Ishika. Non, ce ne sera pas nécessaire. Elle ne devrait pas être aussi têtue. Si elle ne veut manger,
Alors elle se prive elle-même. Vas-y, mange-toi. Je vous ai préparé des sucreries à toutes les deux. Et pour vos beaux-parents. Je vais les chercher. Rope. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Va lui parler dans ta chambre. Oui, Rope. Je suis absolument certaine que dès que tu auras l'opportunité de parler seule à Ishika, tout finira par s'arranger. Eh, il ne devrait pas y avoir la moindre petite occasion de se parler. Sinon, tout finira par s'arranger entre ces deux-là. J'aurai l'occasion de le faire aujourd'hui, mais avant ça, je dois vous déposer toutes les deux chez vous. Non, non, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Oui, nous irons toutes seules. Non, c'est bon. D'accord, ma sœur aînée. Vous n'irez pas chez vos beaux-parents aujourd'hui. Papa ? Le truc, c'est que, après toutes ces années, notre famille est à nouveau réunie. Donc, Shamsher voudrait que nous passions du bon temps tous ensemble ce soir, à s'asseoir, à parler, à rigoler, hein ? Et je pensais aussi que toute la famille pourrait aller dormir dehors. À la belle étoile ce soir comme vous. Vous aviez l'habitude de le faire petit. Ah, mais quelle bonne idée ! Oui, mais... Dinesh Kumar et Himanshu Kumar. Je t'ai dit de mettre les lits dehors. Allez, mets les lits. J'ai déjà parlé avec tes deux gendres. Enfin, Kamla, tu ne vas pas comprendre, c'est juste pour un jour. Et nous allons tous nous asseoir, parler un peu et ensuite dormir, rien d'autre. Oui. Pas d'eau pour la nuit. Tu peux aller en chercher ? Oui. Eh mais ce n'est pas nécessaire, ces filles ont tout le temps soif. Mais attends, tomber. Papa, j'y vais, n'importe qui peut avoir soif. C'est bon, va vite en chercher. Rope a changé du tout au tout. D'abord, Imani était d'accord. Maintenant, c'est au tour de Jigna. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrive plus du tout à comprendre. Et de surcroît, maman me demande de parler à Rope et de le comprendre. Comprendre quoi ? Comment je peux lui parler ? Rope ne s'en soucie absolument pas. Il est si tard et il ne m'a même pas demandé si... Ishika, tu as mangé quelque chose ? Est-ce que tu vas bien ? S'il te plaît, prends ton repas et viens me rejoindre dehors ce soir. Hope. Ah ! Wo khwab mein dhundla sa chehra tu thi ya koi farishta tha wo khwab mein dhundla sa chehra tu thi ya koi farishta tha
तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था पलकों पलकों लम्हा लम्हा बस तेरा चेहरा दिखता था तुझसे मिलने से पहले भी रिश्ता था रिश्ता था रिश्ता था ओ रिश्ता था रिश्ता था रिश्ता था ओ Va à l'intérieur, je te rejoins. Rentre. Allez. Oui. Vas-y. Chika doit certainement m'attendre à l'intérieur. Comment je vais faire pour aller la voir ? Ma sœur aînée, mon fils est un diamant, un diamant. Oui. Jusqu'à présent, les choses se passent exactement comme prévu. Nous devons penser à ce que nous allons faire. Écoute, cette Ishika, pour les deux filles que tu as, est allée à l'encontre de notre famille. Elle s'est battue contre nous, hein? Elle a essayé d'être une héroïne, hein? Mais quand Rupendra leur a dévoilé la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sœurs ont déposé les armes. Et maintenant, Ishika est restée toute seule. Il lui reste qui d'autre ? Kinjal. Hein ? Quand Kinjal découvrira toute la vérité, nous verrons alors. Mais pour l'instant, elle ne sait rien du tout. On verra bien.
Elle n'est pas là aujourd'hui. C'est le bon moment, mon frère. Je ne laisserai plus ces deux-là être ensemble. Parce que ce soir sera le dernier soir de Ichika ici. La nuit dernière même, si je le voulais, je n'ai pas pu lui parler. Mais aujourd'hui, je dois à tout prix dévoiler toute la vérité à Ichika. Très bien. Est-ce que tu es prêt? Viens. Papa, prêt? Mais mon entraînement est dans seulement une heure. Bon, je te propose d'y aller. Je viendrai plus tard. Écoute, mon fils, sans raison. Valable, je ne fais rien ou ne demande rien à qui que ce soit. Partons tôt. J'aimerais te présenter à des officiers supérieurs. Et nous discuterons des choses nécessaires concernant la formation. Rob, tu voulais me parler de quelque chose hier. Hier soir, est déjà fini. Plus besoin d'en parler. Partons maintenant, allez. À vos marques. Prêt. Prêt ? Allez, allez ! N'abandonne surtout pas. Combat-le. Allez, bien. Fais-le, fais-le. Ah, bravo. Mon brave fils. Très bien, Rupendra. Excellent. Merci, monsieur. Monsieur Shamsher, votre fils est né pour être un champion. Après tout, c'est le fils de qui ? Bravo ! Dans un combat, la force est très importante. Quelqu'un veut se mesurer à lui? Le fils du surintendant Shamsher Singh Vaghela, Rupendra. Vas-y, Rupendra. Vas-y, donne-lui une leçon. Celui qui se relève après être tombé, c'est celui qui est un vrai combattant. Thank you.
Ah, bravo. Un. Deux. Attendez, monsieur. C'est mon entraîneur. Et c'est mon mentor. Un élève n'échoue pas devant son mentor, mais il apprend les bonnes techniques grâce à lui. Quand tu as affaire à des voyous, tu pourras te battre comme ça. Mais quand tu es sur le ring, tu dois toujours suivre les règles. Bien sûr, monsieur. Je vais apprendre tout cela de vous. Tu apprendras. Merci, monsieur. Vous voyez ça? C'est mon fils courageux. À présent, reposez-vous un instant. Écoutez, c'est les mauviettes qui se reposent. Mais mon fils n'en est pas un. Vous avez fini? Ça va? La façon dont tu t'es comporté aujourd'hui, ça m'a rendu extrêmement fier de dire que je suis ton père. Écoute, tu as remporté cette épreuve physique. Mais maintenant, il te reste l'épreuve psychique à remporter. Je ne te suis pas. Entre toi et Ishika, il y a des problèmes qui sont palpables. J'aimerais que tu puisses les régler au plus vite. Quand vous deux, vous êtes mariés, ça m'a beaucoup affecté. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, je n'ai pas de réel problème avec cette fille. Je sais que je ne le montre pas, mais c'est bien la vérité. J'ai compris que ses intentions ne sont pas mauvaises. Donc, elle est une fille bien. Elle est juste bien trop éduquée. Après tout, c'est une fille moderne. Et c'est pour cela qu'elle ne sait pas comment il faut respecter ses aînés. Mis à part ça, c'est une fille bien. C'est pour cela que je vais te dire ça. Dans la famille Vagela, le divorce ou se séparer sont des choses qui ne font pas partie dans notre culture. C'est pourquoi j'aimerais que tu arranges les problèmes dans ton couple, alors va parler à ton épouse et essayer de régler vos problèmes. Papa, tu sais, en me disant tout ceci, tu m'enlèves vraiment un poids énorme sur les épaules. D'entendre me dire ces choses-là, ça me fait vraiment du bien. Et je te promets que peu importe les problèmes entre Ishika et moi, je vais finir par les résoudre. Promis. Je ne laisserai pas ça arriver, mon fils.